Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la mer dans la principauté de Monaco aujourd'hui. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès. Et la rencontre qui va suivre compte pour le championnat avec un public qui donne déjà de la voix. Mais ce n'est pas une surprise, surtout lorsqu'on est ici. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évident. Oh, ça peut tout changer s'il marque. La bonne présence là du gardien. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire. Changé après 3 minutes de jeu. Bonne interception. Diego Perotti. Nicolò Zaniolo. Edin Dzeko. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Ah, ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Nicolò Zaniolo. Oh, la conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. Allez, il faut le mettre celui-là. Putain, ça veut rien dans les pieds. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il est toujours en possession du ballon et poursuit son action. Oh, ça se termine dans les bras du gardien. Un gardien qui a dû intervenir en deux temps. Ouais, une parade assez miraculeuse pour commencer. La suite a été plus calme. Les visiteurs qui ont souvent beaucoup de mal à trouver le chemin des filets. L'attaque manque d'efficacité dans l'ensemble. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion pour eux de renverser cette situation. Il donne dans l'axe, attention. Bonjour. Le gardien qui repousse, attention. Il est décisif, hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Ouais, d'abord avec un super arrêt, et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. Il semblerait qu'il y ait eu un but marqué à Santiago Bernabéu. Oui, il s'agit du premier but pour le Real Madrid. Un but à zéro, donc, après 12 minutes de jeu seulement, Hervé. Merci, c'était bien complet. Ah. Ça, c'est pas très bien joué. On perd un ballon bêtement. Le ballon par-dessus. Ah oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Fofana. Wissam Ben Yedder. Allez, par-dessus. Allez, l'occasion de passer devant. Le corner pour cette équipe qui pousse et qui sent l'adversaire en difficulté. Un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Oh, pas aussi loin, je passe. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Je l'ai perdu. Ouais, pas mal le pressing de cette équipe. Attention, il y aurait eu un but à l'instant au Parc des Princes, dites-nous. Oui, Hervé, c'est le premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Ça fait donc un but partout, alors que nous jouons depuis 17 minutes. Quand même. Parfait, merci pour ce point rapide. Bien donné cette passe en profondeur de Ben Yedder. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ah, allez. Cesc Fabregas. Le ballon dans l'axe. Attention. Il est trop longtemps à frapper. Pellegrini. Diego Perotti. Mkhitaryan. Nicolò Zaniolo. Pellegrini. Diego Perotti. Oui, bien sûr qu'il y a faute. Oh, c'est généreux la faute là. Et on a dégagé pour écarter le danger. Pellegrini. Fofana. C'est un bon espace, c'est cadeau. Attendez, je crois avoir entendu qu'il y a un pénalty dans un match qui se joue en ce moment, c'est ça? Alors oui, effectivement, Hervé. Un pénalty pour l'Ajax, pour être précis. Sauf que pas de chance pour son équipe. Dusan Tadic vient de le louper. Il manquait un peu de tout à sa frappe. De la conviction, de la précision, de la puissance. Allez, attention, parce que ça peut faire mal. Kevin Volland. Yes. Et le but, l'ouverture du score dans ce match. 1-0. Oh, j'ai bien cru que le gardien sortait, me la prenait.
On revoit la contre-attaque qui amène le but. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ouais, ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de l'Inter. Ça fait donc un but partout après 33 minutes de jeu exactement, Hervé. C'est parfait, merci pour ces infos. Diego Perotti, changement de possession, il va falloir se réorganiser. On s'en doutait un peu, mais les Monégasques ne touchent pas énormément de ballons. Mais ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon. En tout cas, elle mène. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Fofana. Ah, elle progresse bien là. La frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Diego Perotti. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Et ça joue également en ce moment à Lyon, et il semblerait qu'il y ait eu un but au Groupama Stadium. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour le Borussia Dortmund. 1-0, donc, après 40 minutes de jeu. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. C'était nul. Juan Jesús. Diego Perotti. Pellegrini. On porte l'écho. Pas terrible ce ballon. Lorenzo Pellegrini. Ballon bien négocié par le gardien. Bel arrêt, le compte. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Fofana. On s'approche du but adverse. Ruben Aguilar. Nelson Martins. Hors jeu, oui. Hors jeu. Allez, siffle. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Fabregas qui commence à fatiguer. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Et presse. Voilà. C'est ce que Fabregas. Kevin Volland. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Attention, il y aurait eu un but à l'instant au Parc des Princes, dites-nous. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Leverkusen. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes après 48 minutes de jeu. Merci à vous. Encore un bon ballon. On a peut-être une situation intéressante là. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Allez, il a vu peut-être Ben Yedder dans l'axe. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Edin Dzeko. Bien, Fofana. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Nelson Martins. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. La passe lobée pour chercher Mkhitaryan. Le centre appuyé. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes. Mettre le deuxième, là. Et oui, c'est le troisième but pour le Paris Saint-Germain. Le score, le voici, 3-2 après 58 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Une, deux. Voilà, allez. Avance balle au pied. Allez, gardien qui remporte son duel. Ouais, les défenseurs se sont fait avoir, mais pas le gardien. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Ruben Aguilar.
Attention le danger. Et le but. Merci, le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui, en réalité, ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. Ah si, si. Il pouvait fermer ses jambes. Allez, une petite mobilette, un chouchou. Et on est reparti. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant, 2-0. Pour l'AS Monaco, le numéro 17, Alexander Golovin. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Il cherche la solution pour tenter de revenir dans ce match. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Et ils obtiennent un coup franc. Bon pressing, Fofana, quand même. Je crois qu'il y a eu un but sur un autre stade. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, Hervé, avec le deuxième but en faveur de l'Inter. Et Au total, ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes dans un match qui a débuté il y a 66 minutes exactement. Merci, c'était bien complet. Adrien Nekourou. Ouais. Allez, il a de la place dans le couloir. Il a sauté pour éviter le tacle du défenseur. Attention, ça peut faire but. Très bon geste défensif. Juan Jesús. Brian Cristante. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Allez, mais prends l'appel. Le gardien dégage le ballon, bien joué. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. À égaliser. Encore une bonne passe. Sam Ben Yedder. Kevin Volland. Ben Yedder. Ben Yedder. Maintenant, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Il a quand même frappé dans ce match. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Pellegrini. Edin Dzeko. Je sais. Lorenzo Pellegrini. Je sais qu'il ne faut pas le faire. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et le ballon qui change de camp. Allez, ça joue vers l'avant. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Ça aurait été beau. La passe levée pour chercher Mkhitaryan. Eh bien, Georges. Oh oui, c'est bien défendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Alexander Golovin. On va construire en passant sur les côtés. Attention à la frappe. Il repousse le tir. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Alexander Golovin. Attention, il y aurait eu un but à l'instant au Parc des Princes, dites-nous. Tout à fait, Hervé, un nouveau but en faveur du Paris Saint-Germain. Le score, il est de 4 buts à 2, alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Lionel Sidibé. Wissam Ben Yedder. Un ballon. Oh putain. Des balles ridicules. On s'approche du but. C'est Lionel Sidibé qui intercepte ce ballon. Il alerte son partenaire dans le dos. Ruben Aguilar. Il prend sa chance. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Allez. Bon, ça y est, voilà. La fin du match. Victoire à domicile pour cette victoire, équipe. Jean-Luc. Ça va, mon manteau de glace. Il emporte sur une toute petite main.
13 frappes. 10.